Voici du genépi. Le genépi mutellina, Artemisia mutellina. Donc ça, c'est de la famille des composés. C'est une plante extrêmement aromatique avec laquelle on fait la fameuse liqueur de genépi. Alors la recette de genépi, c'est quoi? 40 brins. Oui, 40 brins dans 1 litre d'alcool à 40 degrés avec 40 sucres, 40 brins frais bien sûr, et on fait macérer 40 jours. Le genépi a des vertus médicinales, c'est un antigrippal. Et par ailleurs, c'est avec le genépi, voire une espèce voisine qui est le genépi des glaciers, que je réalise un élixir de fleurs pour les personnes qui ont des difficultés à harmoniser leur aspiration spirituelle avec le contexte dans lequel ils vivent. Donc le genépi est à la fois une plante aromatique très intéressante en gastronomie, mais également une plante médicinale. Ah. Voici ici le genépi des glaciers. Il a des capitules d'un jaune beaucoup plus soutenu, beaucoup plus gros. Et c'est un genépi qui est plus rare. Donc celui-ci, moi, je ne le cueille pas. Et par contre, on peut faire un élixir de fleurs sans l'accueillir. Et là encore, pour les gens qui ont des difficultés à harmoniser leurs aspirations spirituelles et leur ancrage matériel, ça permet d'unifier entre l'aspiration spirituelle et l'ancrage matériel. Donc ce genépi des glaciers est aussi parfumé que le genépi mutelline, Artemisia mutellina, mais il est beaucoup plus rare. Donc personnellement, je préfère qu'on ne le cueille pas pour préserver les populations de ce genépi.